messieurs, bonsoir. Nous avons le grand privilège d'accueillir ce soir un orchestre qui nous vient directement de la Martinique, enfin des Antilles, si vous préférez. Le groupe s'appelle Cassave, très connu en Haïti, très connu par les Haïtiens, même dans la ville de province. Et il faut remonter en 1979 quand ce groupe, trois jeunes, oui, Jacob Desvarieux, Pierre-Édouard et Georges Décimus se sont rencontrés à Paris et ont eu l'idée d'enregistrer un album. De cet album est sorti une chanson qui s'appelle « Leve Cora » ou « Leve Yossa ». Ça a été une première révélation. Et dès lors, ils ont senti la nécessité de pousser un petit peu la musique antillaise, de placer cette musique antillaise sur le marché international, d'où l'idée du groupe Cassave. Je vous demande d'applaudir les musiciens du groupe Cassave ce soir. Jacob et tout le reste, ils vont venir nous retrouver sur le plateau. Alors Jacob, ça se voit tout de suite. Et puis les autres qui sont là avec nous, on les voit arriver. Vous allez surtout les découvrir au fur et à mesure en écoutant leurs chansons. Ils sont là, ils se produiront en Haïti et c'est un plaisir pour nous de les accueillir. C'était en 1982 quand ils ont eu leur premier concert aux Antilles, plus précisément en Guadeloupe, dans un endroit qui s'appelle Bemao. Et depuis, Cassave a fait parler de lui dans les Antilles et également à l'étranger. On va écouter la première chanson ce soir du groupe Cassave. Ça s'appelle Djin Djin sur les paroles et la musique également de Jean-Philippe Martelly. Mesdames, messieurs, Cassave. Oh,
Voilà, Dien Dien, la musique de Jean-Philippe Martelly et les paroles également de Jean-Philippe Martelly. Alors, le gros Jacob, le voici, c'est le gros Jacob qui est avec moi ce soir. Jacob, ça va bien ? Ouais, mais je suis pas si gros que ça. Hein. Bon, bref, enfin, on va écouter une autre chanson. Je crois que c'est la musique de Patrick Saint-Éloi. Ça s'appelle « En bas chaîne, là ». Dites-nous comment on compose chez vous, Kassav, comment on fait ça? Je sais que c'est avec du manioc, oui. Bon, oui. Alors, la musique de Kassav, comment on fait ça? Bah écoute, on met du sel, du poivre, du thym, du laurier, du persil. On met du sucre aussi? Beaucoup de sucre, surtout du sucre. Et du sel également. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait ce que vous allez entendre, là. En bas chaîne, là, Kassav. Thank you.
bottes en mer là. Tout ça pour yoté pêche à Paris, yo en bas c'est n'en bas tout là. Démarrer là, chaîne là. Alors, est-ce qu'il y a une chaîne qui vous relie quoi à l'alma mater, l'Afrique? Ben oui, en fait, c'est-à-dire c'est une histoire sur la déportation quoi. Ah, c'est ça, c'est ce que ça raconte. Alors, ça raconte l'histoire de ceux qui étaient sous les chaînes. Ah, ben dis donc, ça dit beaucoup de choses. Dites-nous, Jacob, vous êtes allé en Afrique, l'alma mater, vous y êtes retourné? Oui, on a été faire un petit tour du tourisme. Et je crois que ça a bien marché là-bas, hein, 58 000 spectateurs, ça il faut le faire. Oui, pour un concert, mais on en a fait plein, des concerts. Oui, vous avez fait plein de concerts. Je peux quand même... Attends. Si je trouve, je peux quand même donner des chiffres. Je ne sais pas si vous savez ça, mais moi, je le sais. Alors, d'après mes recherches, en 1982, c'était le premier concert aux Antilles, plus précisément en Guadeloupe. En 84, c'était Haïti. L'année d'après, c'est-à-dire en 85, l'année dernière, disons, c'était l'Afrique. On a joué à Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a eu environ 58 000 spectateurs, ça, il faut le faire. Et puis, au Zénith, en France, c'est une grande salle en France, le Zénith, les plus grandes vedettes internationales, ils passent tous les jours, et bien, c'est difficile de faire le plein avec 7000 personnes, et bien, le groupe Kassav l'a fait, et ceci, un mois à l'avance, c'était rempli à craquer. Et on ne s'est pas arrêté là, il y a eu Angola, je crois, avec un peu 45 000, c'était en septembre 85, Angola, 45 000. Comment vous vous sentez pour jouer devant 45 000 spectateurs? Ben, on est timide, quoi. Ah, vous êtes timide? Oui, en fait, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de monde comme ça, bon, donc on ne voit pas tout le monde. On voit le premier rang et puis on sent qu'il y a du monde parce qu'on sent des vibrations, quoi. Oui, mais il y a le trac. Oui, il y a le trac, mais disons que quand on sent qu'il y a beaucoup de monde, on est content, on a envie de jouer, quoi. Oui, alors, qu'est-ce qui arrive quand on a le trac et quand on se présente devant une salle vide? Ça vous arrive? Ça ne nous est pas encore arrivé, mais je suppose qu'on a encore plus le trac. Bon. Alors, on va continuer le programme ce soir. Je devrais vous rappeler qu'il y a une chanson, je crois que c'est la chanson très connue en Haïti, Zoukla, c'est ça le médicament nous dit. Il y a plein de médicaments, certes. Mais cela dit, Zoukla, c'est le disque d'or. En France, 100 000 disques vendus, c'était en 1985, 100 000 disques. Et bientôt, il y aura une cérémonie pour vous remettre ce disque d'or. C'est bien ça? C'est ça, oui, en Guadeloupe dans 3 semaines. Ah, c'est en Guadeloupe. Ben voilà, on va continuer et si vous le voulez bien, Jacques, on va écouter une autre chanson, ça s'appelle En Malade là, le groupe Kassav. Mmh.
Malade là. Le groupe n'est pas malade, le groupe se porte bien. D'ailleurs, 7 albums, oui, 7 albums et 11 albums en solo. Ce qui veut dire les musiciens se réunissent de temps en temps pour faire des disques solo. Je voulais vous les présenter ce soir, pourquoi pas. Il y a Jean-Philippe Martelly. Jean-Philippe, c'est lui. Et puis il y a également Patrick Saint-Éloi. Patrick.
Il y a Georges Décimus. Georges, il est là-bas. Il y a également Claude Vamur, qui est à la batterie. Puis César Durcin, aux percussions. César. Ave César. Bon, il y a également celui-là, c'est un Camerounais, au clavier. Il s'appelle Jacques Douglas. Moi, je l'appelle Jacques Douglas. C'est mieux comme ça. Il y a également Jocelyne. Ah, ben si. Jocelyne Béouard. Ravissante, comme tout. Et puis, il y a les danseuses qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui sont également, qui font partie intégrante de ce groupe. Ceux qui sont là-bas également, il y a Hamid Bélossin, trombone. Hamid. Et il y a Freddy Poussetian, c'est bien ça, à la trompette. Il y a André Lagli, c'est ça. Et puis Claude Terrifé. Et Claude Romano. Il y a également quelqu'un qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui se trouve également dans cet orchestre. D'ailleurs, il a sorti un disque que vous connaissez très bien, c'est Jean-Claude Nemrot. Il est très connu également dans ce groupe. Je vous demande quand même de l'applaudir. Il brille par son absence. Je voudrais continuer le programme ce soir, tout en vous faisant écouter d'autres chansons. On ne peut pas passer une heure à vous faire écouter des chansons du groupe Cassav. Je ne sais pas ce qui explique cette percée fulgurante du groupe Cassav sur le marché haïtien. Évidemment, les stations de radio aidant. Mais aujourd'hui, la télévision sur la 8. Eh bien, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir le groupe Cassav. Et la chanson que nous allons écouter, ça s'appelle « Moi dit ou Awa ». Thank you.
Mwandiou Awa, c'était la musique du groupe Kassav. Je crois que c'est Jacob, vous avez composé également cette chanson, je crois. Oui, avec Georges Decimus. Avec Georges. Mais vous êtes toujours les deux là, on vous retrouve toujours. Enfin, pas à 100%, mais on vous retrouve toujours. Ben, on est complices, on fait les coups ensemble, tu vois. C'est une bonne complicité. J'espère que ça va pouvoir se développer au fil des ans, au fil des... Vous poursuivez un but dans la musique ? Ben ouais, on voudrait être le plus grand groupe du monde et puis battre tous les records de vente de disques. Non, mais c'est vrai. Et, est-ce que vous avez un objectif en tant que groupe entier ? C'est vrai que vous passez la majeure partie de votre temps en Europe, plus précisément en France, mais vous poursuivez un but, je ne sais pas. Ben oui, c'est-à-dire ce qu'on voudrait, c'est arriver à amener la musique antillaise au niveau international, c'est-à-dire que ça puisse s'écouter partout, dans toutes les radios, toutes les télés, toutes les boîtes, tout ça. En toute objectivité, comment ça marche maintenant, hein, à ce niveau, dans le but que vous recherchez? Ben, ça marche pas mal, mais enfin, c'est encore très loin du but qu'on recherche. En venant en Haïti, est-ce que vous voulez faire passer un message? Vous connaissez un petit peu, la musique haïtienne, hein? Beaucoup. Est-ce qu'il y a un groupe qui vous accroche davantage que les autres? Il y en a plein, je sais pas. Moi, disons qu'il y avait un chanteur que j'aimais bien, c'était Timano. Ah, Timano, oui. Celui qui est mort, bon, mais je sais pas, il y a plein de groupes, tu sais, la musique haïtienne chez nous, ça a été, c'est ce que nous a bercé pendant une vingtaine d'années. Vous avez bien dit, Jacob, ça vous a bercé, ça ne continue pas à bercer les Martiniquais, les Antillais, non? Non, c'est pas ça, c'est-à-dire que si tu veux, pendant à peu près une vingtaine d'années, il y avait tous les groupes haïtiens, tu vois, tout ce qui sortait, depuis que c'était haïtien, hop, ça marchait. Et puis maintenant, disons qu'il n'y a que les meilleurs qui sont restés, c'est-à-dire la dizaine, si tu veux, de meilleurs groupes haïtiens, bon, ceux-là, ça marche toujours pareil qu'avant. Simplement, bon, si tu veux, les gens sont devenus de plus en plus difficiles, donc il suffit plus, si tu veux, d'être un groupe haïtien pour que ça marche, il faut que ce soit bien. Donc il n'y a que les meilleurs qui restent, quoi. Alors, jusqu'à présent, comment vous percevez la musique haïtienne, mais enfin, à l'heure actuelle? Bah, c'est toujours bien. Ça marche bien, ça marche fort, là-bas, chez vous? Ah, écoute, tu peux pas rentrer dans une boîte sans danser au moins 80% du programme en musique haïtienne. Ah ben, dis donc, ça va bien. Jocelyne, vous voulez nous rejoindre un petit peu et nous dire un petit mot? C'est... Jocelyne, vous dites ? Ça va faire des jaloux. Écoute, Jocelyne, dites-nous, comment vous sentez au milieu de ces messieurs qui vous entourent ? Vous voudriez leur demander comment ils se sentent avec moi. C'est le contraire. Mais disons que je les protège, alors tout va bien. Ah ben, dis donc. Alors, comment on vous appelle ? Mère Jocelyne, non ? Quelquefois, oui. Bon, dites-nous, comment ça se passe sur une scène pour vous ? Comment vous vous sentez ? Bien en général, enfin, si la scène est bien, si les gens devant chauffent. Il faut absolument que ça chauffe devant. On fait tout pour que ça chauffe, mais si on fait tout et que ça chauffe pas devant, c'est un peu frustrant, quoi, tu vois. Quel a été pour vous le meilleur moment de votre carrière, qui n'arrête pas, qui ne s'arrête pas, je l'espère du moins, en ce moment? Ma rencontre avec Kassav. Comment ça s'est fait, hein? Une rencontre comme ça, quand on vous appelle? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible, Non, comment ça se passe? Quand on appelle, on dit oui ou non. Moi, j'ai dit oui, je crois que j'ai bien choisi ma réponse. Enfin, j'étais à Paris, certains me connaissaient déjà, donc comme ils cherchaient des filles, ils m'ont appelé, et voilà, ça s'est passé très simplement. Alors, est-ce que vous avez un goût particulier pour la musique haïtienne, non? Oui, j'aime beaucoup Zéclé, entre autres. Il y a plusieurs choses qui sont sorties dernièrement que j'aime aussi. Il y a Raoul Denis, Marcelin, etc. Quoi. Oui, ça marche bien. Vous trouvez que Raoul, ça fait un petit peu Kassav? C'est ce qu'on dit, non? Non, moi je trouve qu'il a quand même son style. Bon, ça fait Kassav, c'est peut-être à cause du style même du zouk, si tu veux. Mais il y a plein de gens qui ont la réputation d'imiter Kassav, tu sais. Alors, voilà. Je remercie Jocelyne, je vous souhaite bonne chance avec le groupe. On va écouter une autre chanson, ça s'appelle « Embalaté ». C'est l'album de Jean-Claude Nemro. C'est lui d'ailleurs qui a composé cette chanson. Je crois que c'est pas ça, non? On ne va pas l'écouter ce soir. C'est sa musique. Bon, alors, En bas la terre, on peut l'écouter, non? S'il n'est pas là, c'est plutôt difficile. Bon, pourquoi ne pas écouter Tim Tim? C'est encore une chanson de Jacob, encore lui. Tim Tim et de Georges aussi. Vous êtes complices, hein, tous deux. Bon, voilà. Tim Tim, le groupe Kassav. Tim Tim! Watek, Tim Tim, 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 Watek, Tim Tim
Ils sont toujours là, toujours joyeux. Alors, on va écouter une dernière chanson. C'est bien, hein, là, du courage. Et on va écouter une dernière chanson. On peut quand même, Jacob, préciser quelque chose. Il y a un mot que vous avez inventé. C'est un mot typiquement antillais, zoukla. Non, on l'a pas inventé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si tu veux un zouk, c'est un peu ce qu'on appelle un souillé-pied en Haïti. Et c'est une petite fête, bon... On fait entre amis, plus ou moins, avec des disques et tout, on va danser, toi. Alors, nous, chez nous, on dit on va zouker. Ah ben dis donc, c'est un mot qui devient courant ici maintenant, de plus en plus. On dit on va zouker, ça veut dire beaucoup de choses, plein de choses. Ben, on essaye que ce soit universel. Non mais écoutez, messieurs, j'ai rien dit, hein. Dans le bon sens. Non, ils se mettent à rire. Bon, alors, on va zouker ce soir. On peut se permettre de zouker? On peut essayer. Bon, alors, je vous invite à zouker chez vous avec la dernière chanson à notre spécial Kassav ce soir. Zoukons ensemble, groupe Kassav, Zoukla. C'est seul médicament noni. Bonsoir. Come on, me. 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 Come on, me.
Come on, move.